These bad bitches, accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me, nah. Tim Howard, been here 10 hours, my chick's sour. Rising and falling together, though, like we the Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness, no chip off. Hey yop tout le monde, c'est Styrian et je suis heureux de vous présenter donc une nucléaire de BO3. L'arme c'est la Kuda de la part de NDC Wavetime en solo sur la map Hunted. Donc il joue avec la tour réanimation car c'était pendant la bêta et quand le jeu final sortira, enfin quand la vidéo va être upload, je crois qu'il est déjà sorti. Et bah l'atout, même si on l'utilise, la série nucléaire sera enlevée. Donc voilà, alors le sujet c'est un top des maps que on veut voir remake sur BO3. Donc le gameplay dure 6 minutes et tout. On va essayer d'envoyer cette vidéo aux chaînes communautaires Code QG, Code CF, Play Your Dream et Play Geek TV. Donc je suis content si vous acceptez cette vidéo. Après, donc on commence tout de suite avec la map 1. Donc il y aura des images. En map 1, donc Shipment, la map qui est en Russie, elle est petite. Donc c'est la map de Call of Duty 4 avec les conteneurs. Hein, on utilisait beaucoup cette map pour faire les 1v1 à l'époque. 2, encore une map de Code 4, Marais. Donc elle est assez moyenne. Et pour les snipers, franchement, cette map, elle est géniale. Après, on va passer au MW2. Un légendaire, ce Call of Duty. Ça a été le Call of Duty révolutionnaire à l'époque. Donc la map Rust, qui est très très petite, où on pouvait s'élever et tout. Enfin, cette map-là, elle est vraiment bien. Alors, une map de BO2, pour les plus jeunes, on va dire. Donc Red, franchement... Dès le début partie, il y avait un spot de ouf. On pouvait rentrer beaucoup de kills au sniper. Et elle était vraiment bien cette map. Il y avait une rangée au milieu, une rangée sur la côté et tout. Elle était magnifique. Et Dome, une map de MW3. Donc Dome, franchement MW3, Call of Duty. C'est un des Call of Duty où j'ai passé le plus de temps avec BO2. Dome, je vous dirais, enfin je pense que vous connaissez. J'aime bien cette map. Et en bonus, je vous dis Terminal de MW2 et MW3, mais je préfère celle de MW2. Donc franchement, Terminal, une map légendaire. Franchement, cette map, voilà. Donc j'espère que le gameplay vous aura plu. C'est une simple nucléaire pendant que c'était la bêta avec les réanimations. Bon, ça, dans le jeu final, la réanimation... réduira vos kills pour la nucléaire. Allez vous abonner à la chaîne de Wavetime et de moi Styrian et de la ENDC si je passe sur les chaînes communautaires grâce à cette vidéo. Alors n'oubliez pas vous abonner aux joueurs, hein, souvent on s'abonne qu'aux commentateurs et à la team dans ce cas là mais il faut pas oublier le joueur, hein, c'est grâce aux joueurs qu'on a une nucléaire et que je peux vous proposer dans cette vidéo. Je vais faire un petit débrief en général de Black Ops 3, le jeu final qui va sortir. Je ne l'ai pas, mais ce que j'ai pu entendre en tout cas, c'est que beaucoup d'armes vont être patchées, la réanimation. Et ça, c'est vraiment cool. On a beaucoup de choses à faire sur ce Call of Duty comme Black Ops 2. Et moi, je vous dis abonnez-vous à la chaîne de NDC Wavetime. À la mienne, j'ai 53 abonnés. Et surtout, n'oubliez pas à la chaîne de la ENDC. Et je vous laisse avec le gameplay. Je vous dis ciao, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et peace à la prochaine. Allez, ciao.